Bonjour, c'est la troisième leçon de l'apprentissage de l'instrument de l'oud. Toujours pour un débutant, il faut qu'il avant de prendre l'instrument dans sa main, il faut qu'il révise la façon dont il tient l'instrument et la façon dont il positionne ses mains autour de l'instrument. On a dit qu'il faut faire tourner la main ici, et il faut que le plectre avec la main, il soit dans ce côté-là, à cette place-là. Il ne s'approche pas trop d'ici, parce que sinon, ça va être sec, ça ne donne pas des vibrations qui sont bien. Il faut que la main soit vraiment à cette hauteur-là de l'instrument. Ok. Aujourd'hui, on va voir d'abord comment on tient la plectre dans la main. Elle est tenue entre les quatre doigts et la pousse, comme ça. Et il faut qu'elle soit à une distance correcte pour ne pas qu'elle touche la face de l'instrument. Elle touche seulement les cordes. Il faut qu'elle touche seulement les cordes. Comme ça, aujourd'hui, on va s'entraîner la main droite seulement. On ne va pas utiliser la main gauche. La main gauche, on va la laisser. Ce n'est pas le moment. On va s'entraîner seulement la main droite en essayant de toucher d'une façon différente les cordes de l'instrument. Il y en a plein de façons de toucher l'instrument. Mais de possibilités dans le jeu, soit qu'il soit un jeu traditionnel ou un jeu moderne dans la musique orientale et dans l'instrument de l'oud, on peut toucher l'instrument, on peut frotter comme ça, de haut en bas, comme ça. Mais il faut que le son soit vraiment beau. Par rapport à nous, il ne faut pas que les cordes se touchent. Ou bien, on pourrait toucher de bas en haut. De haut en bas, ou de bas en haut. De haut en bas, ou de bas en haut. Et ce qui est plus facile pour les débutants, c'est de faire des frémissements comme ça. Comme ça, on a monté de bas au haut en essayant de faire des frémissements comme ça avec elle. On monte seulement jusqu'à la quatrième corde pour les 8 ans et on redescend. Et on recommence. Débutant, c'est pas grave s'il essaye d'incliner un petit peu l'instrument comme ça pour voir les cordes. Pour un débutant comme ça, pour que tu puisses voir les cordes, tu inclines un petit peu l'instrument de cette façon-là pour voir les cordes. Et comme ça, on essaye de s'entraîner, de répéter, de répéter, de répéter, de répéter. Tant qu'on répète,
tant qu'on tient bien la plectre et tant qu'on essaye de positionner bien l'instrument entre nos mains et près de nous, c'est la troisième leçon de l'instrument de l'oud. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.